Section, elle a débuté à l'intérieur de l'activité athlétisme à la SPTT. Et elle est devenue autonome 2 ans après. Et maintenant, elle porte le nom du groupe GPMN, groupe pétro-coréen de marche nordique. À la SPTT, d'abord par l'affiliation de mon père, j'ai commencé par la lutte. Après, j'ai fait du karaté. Et puis maintenant, je fais la marche nordique. Ah, je trouve que c'est une très bonne initiative. Très bonne initiative en ce sens que ça peut faire connaître des activités sportives à tout un tas de gens. Et puis évidemment, mettre un point d'honneur aux dames qui pratiquent le sport. Pourcentage, je n'ai pas compté, mais sur 34 inscrits actuellement, il doit y avoir 14 messieurs, donc majorité de femmes. Dans le bureau, il y a la vice-présidente et la secrétaire, il y en a 2, sur 4 personnes que nous composons, ça faisait 20%. Et ensuite, en responsabilité de sortie, il doit y en avoir 4 aussi, sur 8, ben, la moitié. C'est un groupe de gens qui, dans la convivialité, qui font de la marche, qui est vraiment une activité de loisir et ludique. Voilà. Après, on a rajouté des bâtons, bien entendu, parce qu'on fait de la marche nordique. On essaie donc à la fois d'allier le plaisir et puis en même temps le confort, le bien-être, l'amélioration de la santé. Voilà. On marche avec des bâtons. Ce sont des bâtons qui ont une certaine précision, une certaine conception. D'abord, il faut savoir que les bâtons, il y a un pour la gauche et un pour la droite. Alors, on ne peut pas inverser. Parce que les gantelets, qui permettent de maintenir le bâton serré à la main par la fixation velcro comme ça au poignet, ces bâtons ne peuvent pas tomber puisqu'ils sont constamment attachés au corps. Voilà. Ça, c'est la particularité de la marche nordique. On ne serre pas la poignée pour avoir peur de perdre le bâton, mais le bâton, il reste attaché. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, la propulsion. Pourquoi on se sert des bâtons? On se sert des bâtons pour l'équilibre, pour beaucoup de choses, pour se propulser, pour avancer, mais aussi dans quelle façon, dans quel axe on doit faire tenir ces bâtons. D'abord, si vous mettez vos bâtons verticaux comme ceci et que vous poussiez dessus, vous voyez que le résultat, propulsion, je monte vers le haut et ça ne me sert à rien pour marcher évidemment. Donc par contre, si je mets mes bâtons à l'arrière comme ceci, là, avec une certaine oblique par rapport au sol, et si je pousse dessus, hop, je sens aussitôt une propulsion. Alors, c'est dans cet axe-là qu'il faut que les bâtons se trouvent tout le temps dirigés vers l'arrière, comme ça. Et en plus, il faut que ce mouvement légèrement vers le haut du bâton remonte le corps, donc allège le corps. Et en allégeant le corps, on agit sur les articulations basses, le bassin, les genoux, les chevilles, et là on allège le corps. Voilà, ça c'est la particularité. Ensuite, la main. La main ne doit pas tenir le bâton en permanence comme ça, bien serré. La main doit être libre. On doit pouvoir lâcher le bâton derrière. Ça, c'est la particularité du geste, c'est de lâcher le bâton, ouvrir la main et finir en fin de trajectoire avec le bras et le bâton dans le même alignement. Ça, c'est important. Pour ce faire, il faut absolument que le marcheur se tienne le plus droit possible, qu'il regarde loin devant soi, qu'il soit complètement relâché au niveau des épaules. Et ensuite, il faut pouvoir faire de l'amplitude, il faut pouvoir faire de grands gestes et de grands pas. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, je vais marcher un petit peu.